de l'Audi S6. Confort, élégance, performance, c'est ce qui émane de cette nouvelle extrapolation de la 6. Installée à son volant, calée dans de superbes sièges baquets, on découvre une finition frôlant la perfection. On se sent de suite à l'aise dans cette voiture. Les commandes sont intuitives. On notera aussi la logique du système MMI. Double surpiqûre du volant, décoration aluminium, carbone, cuir et alcantara se marient harmonieusement, créant ainsi une ambiance cossue et sportive. L'identité de la lignée des versions S est bien ancrée. Ergonomie, agrément, tout est là pour vous inciter au voyage et ce n'est que le début. Se veut avant tout athlétique et élégante, mais pas extravagante, cette qualité sera réservée à la future RS6. Elle affiche pourtant fièrement le logo V10 sur chacune de ses ailes avant. Par rapport à la berline classique, ses ailes se sont élargies de 14 mm. Sa calandre single frame arbore le logo S6 ainsi que le haillon. Dans le bouclier est intégrée une nouveauté technologique, des blocs de 5 diodes blanches. C'est surtout grâce à cela que l'on reconnaît une S6. Presque discrète, elle n'est surtout pas agressive, très raffinée. Elle cache bien son jeu. Car la S6 est sacrément armée, c'est du calibre V10 qui sommeille sous le capot. Issu de la Lamborghini Gallardo, ce moteur a été remanié en profondeur. Déjà d'une part pour recevoir l'injection directe et sa cylindrée passe de 5 litres à 5,2 litres. C'est donc de l'artillerie lourde, 435 chevaux et 540 Nm de couple des 3000 tours. C'est ce qui lui permet d'atteindre 100 km/h en 5 secondes 3. Belle performance pour une auto pesant près de 2 tonnes. Cette puissance est bien sûr transmise aux 4 roues, quattro oblige et de nouvelles générations. Ainsi équipé, ESP et anti-patinage 100% déconnecté, c'est dès les premiers coups d'accélérateur que l'on se rend compte du potentiel de la voiture. Très équilibrée et surtout très sécurisante, elle étonne aussi par cette harmonie dont elle fait preuve entre le confort et la sportivité. Même si son poids se fait ressentir, la puissance du V10 compense largement. Et même si ce n'est pas encore la RS6, la S6 surprend par son efficacité. Sportivité luxueuse et de confort dynamique, la S6 s'avère être un excellent compromis. Seul reproche que l'on pourrait lui faire, sa boîte de vitesse Tiptronic, bien trop lente, reproche que l'on avait déjà fait à la S8. De même que la sonorité du V10, rageuse, de l'extérieur, mais un peu trop étouffée dans l'habitacle. Mais hiérarchie oblige, ce n'est que la S6, c'est la RS6 qui sera la bête, la S6 fait la belle.